Du 23 septembre 2021 au 13 février 2022, l'Institut des cultures d'islam présentera « Puisque tout passe », la première exposition personnelle en Europe de l'artiste Hossein Valamanesh. Pour ouvrir cette exposition, le plasticien a choisi un proverbe en farsi, répandu en Iran, en guise de consolation. « Especially in these difficult times that we live in, I found it kind of a nice message that hopefully whatever we're going through will also pass. » And also, it's a general, even without COVID and all that, everything will pass. It's the ephemeral nature of the world. Here I have the word love printed on a very thin fabric, which you hopefully, when you, as a viewer, walking through it, you become part of it and get lost in the love which I'm projecting on the canvas. Australien d'origine iranienne, Hossein Valamanesh vient redéfinir la question de l'appartenance dans une cartographie tissée qui vient montrer comment trouver son identité est chose difficile. Depuis plus de 40 ans, Hossein Valamanesh explore à travers une grande diversité de médiums les thèmes de l'amour, de la nature et de la spiritualité, inspirés par sa terre d'origine et sa terre d'adoption, mais aussi du soufisme et des écrits du poète mystique Rumi. L'artiste entremêle dans ses œuvres ses souvenirs d'enfance, son expérience de l'exil ou encore le lien spirituel qu'entretiennent les aborigènes avec leur environnement. Il le dit lui-même, Hossein est très impliqué dans l'acte de création. Il adore fabriquer des choses, il aime l'humilité de l'artisanat, être un artisan, aller à l'atelier. Cette œuvre qui veut générer et qui a généré, selon les contextes et les références des spectateurs, diverses interprétations, mais qui pour l'artiste est vraiment la convocation d'un souvenir d'enfance qui est un souvenir vraiment très tendre, puisqu'il aimait, comme il le disait, à se réfugier sous les chaleurs de sa grand-mère lorsque sa mère le houspillait. Donc c'est vraiment cette idée de protection, de tendresse qui est représentée ici par ce chaleur qui fait vraiment allusion à sa grand-mère. And then that work is of her. This is actually her portrait. The feeling I have about mothers and women, that they are connected to nature much more than us fellas, because we are kind of connected to them through umbilical cords. This work behind me was a kind of a memorial to the mourning of women in the war in the Middle East, particularly in Iraq. I saw women crying over their bodies and tearing their hair. Hossein Valamanesh est un artiste prolifique, encore très productif aujourd'hui. Il a obtenu de nombreux prix. Il expose notamment au Japon, en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni, en Suisse, dans les Émirats Arabes Unis et bien sûr en Iran. The theme of love runs through it, the idea of following your passion and going for it, as it were, even if it doesn't work out.